Bien, bon, les choses se sont passées comme ça jusqu'à la fin 30, jusqu'à fin 43, où j'ai été contacté là par les organisations sionistes dont je faisais partie avant la guerre. Et là, évidemment, je suis rentré en plein dans les actes de résistance. Et là, c'est pareil, nous faisions du travail. Alors là, ce que je faisais à Paris, c'était transporter des faux papiers, remettre des faux papiers à des familles juives, de façon à ce qu'elles puissent circuler sans être à la merci d'une rafle, parce que évidemment, si on faisait un contrôle sur ces papiers étaient faux et donc ils étaient pris. Mais a priori, bon, s'ils n'avaient pas l'air trop juifs, eh bien, ils passaient. Et d'ailleurs, ces papiers étaient faits aussi en fonction du type de l'individu. On les faisait naître à Tunis, quelquefois, dans des pays, de façon, n'est-ce pas, à compenser leur aspect physique par leur naissance, quoi, déjà. Parce que vous disiez que c'était pas assez pour vous Ah c'était. oui, c'est vrai, oui, je disais ça par rapport en ce qui concerne les faux papiers distribuons aux gens, n'est-ce pas? Et puis on essayait même, on emmenait les enfants, qu'on essayait de mettre à la campagne. Mais ça, c'était le rôle plutôt des jeunes filles de chez nous. Nous avions des filles extraordinaires, qui étaient des véritables héroïnes, qui faisaient un travail obscur comme ça, ils emmenaient des enfants. Nous avions des jeunes filles chez nous qui étaient spécialisées dans le vol des cachets dans les mairies. C'était des jeunes filles qui, sous n'importe quel prétexte, rentraient dans les petites villes de la mairie, essayaient de faire connaissance. Comme elles étaient jeunes, mignonnes, elles avaient 18 ans, 19 ans, 20 ans, vous pensez. Elles rentraient, ces paysans les regardaient un peu comme ça, et elles essayaient d'engager les conversations. Quand elles voyaient que politiquement, ce type-là était contre le régime, à ce moment-là, il se dévoilait, il disait, écoutez, nous faisons partie de la résistance, nous avons besoin de vos cachets, pouvez-vous nous le... Alors souvent, il nous disait, alors il disait, bon, bah, écoutez, moi je sors, j'ai rien vu, je sors et je vais revenir dans 3 minutes, puis au revoir. Et en effet, il sortait, il laissait les filles prendre des cachets. Et puis, quelquefois, on avait seulement besoin de la forme de cachet pour voir comment c'était écrit. Nous, on reproduisait les cachets. Mais vous savez, chaque mairie a sa forme de cachet, donc il fallait absolument que ça soit de la même façon, de la même forme que celle de la mairie. Alors, il le savait, il disait, écoutez, moi je vous donne, il mettait tous les cachets sur une feuille de papier, et comme ça on pouvait les reproduire ces cachets sans aucune difficulté. Ça, c'était le rôle de nos filles. Hein. Ça, le transport des armes, parce qu'un homme ne pouvait pas transporter des armes, parce que s'il était pris, il était fusillé aussitôt. Les femmes avaient des caches, pouvaient porter un filet, porter n'importe quoi, n'est-ce pas? On les arrêtait pas pour ça. Mais elles faisaient un travail aussi dangereux, sinon plus dangereux peut-être que certains hommes parmi nous. Hein. Bon, là,